ses amis, c'est Garnick. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la BSA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Une nouvelle facture de Mindfactory Reloaded. Ok. Aujourd'hui, on va commencer par ici le petit recording, là, le petit timer que j'avais fait. Je l'ai rétréci un petit peu parce qu'il y en avait deux ou trois personnes qui m'ont dit que ça prenait de la place sur l'écran et que ça gênait un peu. Donc je l'ai rétréci. Donc il prend un peu moins de place. Et j'ai installé, enfin j'ai fait en sorte d'avoir Passbin. Bon, donc là je vais le péter, c'est pas grave. Je vais avoir. Ouais, j'ai pété le chrono, c'est pas grave, je regarderai. Je le mettrai pas pour aujourd'hui. Alors, dans les fichiers de configuration de ComputerCraft sur votre serveur si vous jouez en multi ou sur votre partie locale si vous êtes en solo, il y a un fichier config pour ComputerCraft, comme pour tous les modes d'ailleurs. Et il y a donc dans le fichier ComputerCraft, il y a une ligne qui s'appelle Enable HTTP API ou quelque chose comme ça. Et c'est à false par défaut, c'est à false comme ça. Il suffit de remplacer par true et vous l'aurez. Enfin, ça va vous permettre d'utiliser tout ce qui est les connexions internet en fait sur ComputerCraft. Et du coup, vous aurez accès à la commande pastbin. Bin, pas bion. Alors, pour envoyer un truc sur pastbin, on fait put, on met le nom du programme. Voilà, donc ça le met. Et bah, comme il vous dit ici, si jamais vous voulez le récupérer, vous marquez passbin get tout ce truc-là. Et vous pourrez récupérer le programme de n'importe où. Vous pouvez même le récupérer sur votre PC en allant directement sur ce lien-là sur votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de le récupérer que sur ComputerCraft, même si bon, ça ne servira à rien. Donc voilà, on me l'avait demandé, hein, pour ceux qui voulaient le programme. Maintenant, vous l'avez. Du coup, moi, je l'ai pété, je vais le remettre en route. Voilà. Bon, j'ai une minute ou deux de retard, c'est pas gênant. Voilà, bon, c'était ce que je voulais faire. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui? Déjà, il y a un petit truc dont je me suis aperçu, je vais vous le dire rapido. C'est côté abeille. Il y a un truc qui a changé. Enfin, c'était pas, ça le faisait pas avant. Ça doit être un truc qui a changé un peu plus récemment. C'est ici, dans les petites ruches. Certaines reines meurent. En fait, quand les reines meurent, elles donnent un drone ou deux plus une princesse. Et ben, le coup de récupérer une princesse, ça, c'est pas à chaque fois. Apparemment, c'est pas 100% parce que j'ai déjà 3 de mes 5 reines qui sont mortes. Donc là, j'en ai plus que 2 que j'ai gardées ici. Du coup, j'ai désactivé hein, parce que j'ai pas envie qu'elles meurent tous. Puisque pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir plus de drones que ça. Du coup, pour l'instant, c'est en pause. Mais voilà, donc faites attention si vous avez automatisé vos ruches aussi. Apparemment, Oh, j'en ai récupéré tout plein. Les rennes ne donnent pas à chaque fois, à tous les coups, une princesse. Bon, voilà, faut le savoir. Je pense qu'avec plus tard, avec d'autres installations qu'on fera plus tard, on pourra remédier à cela, mais il faudrait que je me renseigne. Parce que sinon, ce serait un peu embêtant. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous avez peut-être eu, si vous avez l'œil, vous avez peut-être vu que j'ai creusé un grand espace ici. Alors en fait, on va mettre une nouvelle structure de multi-blocs qui provient d'Applied Energistics qui est super super génial. Donc Applied Energistics, ça permet déjà d'avoir un stockage très compact puisque tout le stuff de la base se stocke là-dedans. Ça permet aussi d'automatiser beaucoup de choses comme on l'a vu avec le process des ressources. Et aussi, ça permet de faire des crafts automatiquement. Et ça, on l'a pas encore vu, donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc j'avais un Applied Energistics. J'ai un petit peu commencé à faire les crafts de ce qu'il nous faut parce que c'était des trucs un peu longs pour gagner un peu de temps. Mais en gros, ce qu'il nous faut, ça va être des. Donc on va faire déjà la structure du bloc et à l'intérieur, on mettra d'autres blocs. On va le voir dans un instant. Et pour la structure, donc ce qu'il faut, c'est des de Emmy Assembler Containment Wall. Donc ça, c'est les murs. Et ici on aura les heat vents. Donc les heat vents ça va être comment dire les parois du mur. Et là ça va être les coins. Ou l'inverse, je sais plus, on verra bien. Faudrait peut-être que je sache avant. Alors j'ai fait le calcul, il me faut 36 murs. Enfin 36 contours plutôt. Donc c'était des walls, quelque chose. Voilà. Donc ça il m'en faut 36. Alors, on va faire 36. Donc, ça coûte assez cher, ça coûte beaucoup de fer. On va. L'iron, j'en ai encore beaucoup sous forme de bloc. Iron, iron, iron. Iron, bloc. Voilà.
Ça, c'est fait. Donc on avait dit 36. 35, 36. Voilà. On va les placer tout de suite où on sera fait. Donc on fait tout le contour. Alors la taille de cette structure n'est pas fixée. On peut faire un petit peu comme on veut. J'ai jamais trop été voir c'était quoi les dimensions maximum et minimales. Mais on peut faire un peu ce qu'on veut. Ah ouais, en fait 36 c'était pas du tout assez. J'ai encore bien picolé quand j'ai fait mes calculs. Donc il me manque combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 10. Donc ça coûte. En fait, ça va coûter vraiment très cher. J'espère qu'on aura assez de ressources. Parce que je sais que ça coûte assez cher, mais j'espère vraiment qu'on aura assez de ressources. Voilà, donc là non, c'est bon. Alors, vite fait, cette structure-là est une structure à pliage énergétique, donc elle va devoir être connectée au network. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai juste fait un petit trou pour passer un câble en plus, qui du coup, ça touchera la structure quand elle sera terminée. Je vous le fais voir tant que je peux, tant que j'ai la place. Alors, le deuxième bloc qu'il faut crafter, c'est les heat vents. Donc, si je marque vent, peut-être réussir à les retrouver. Ouais, c'est cela. Alors, ça va coûter encore plus de fer. Et il m'en faut 6, 6, 6, 12, 24, 24 et 4, 28, il m'en faut 32. Ça va coûter très cher, je pense. Ça, je suis sûr que je peux en refaire déjà. Donc, il nous en faut 32. Non, j'avais aussi refait des câbles. Il y a peut-être moyen qu'on ait assez. On va vite le savoir. Donc, 32, 20. 20, 32. Nickel. Ça coûte horriblement cher. Donc on fait les parois avec ces blocs-là, les heat vents. Donc là voilà, ça touchera. Et il nous reste les 6 ici pour refermer. Mais on ne doit pas se contenter de refermer, on doit mettre des blocs à l'intérieur. Et là on a le choix. Si je regarde sur Appli Aide Énergistique, on a deux blocs qu'on peut mettre. C'est soit les Pattern Provider, soit les crafting CPU. Alors, que font chacun des deux trucs? Les pattern providers, bah, ça va tout simplement nous ajouter des pages, parce que vous allez voir que quand la structure sera terminée, on aura un certain nombre de pages de craft possibles. Donc, sachant qu'une page, c'est l'équivalent d'un double coffre, il me semble. Peut-être même plus, bon, on verra bien ça dans un instant. Mais en gros, on aura une page par bloc de pattern provider qu'on aura mis. Donc, moi, je compte en mettre 8. Donc on aura 8 pages, je pense que ce sera largement suffisant, et puis s'il faut on agrandira cette structure plus tard, mais 8 pages, ce sera vraiment suffisant, je pense. Et en dessous, on aura les crafting CPU. Alors à quoi sert le crafting CPU? Tout simplement, ça sert à augmenter la vitesse de craft, parce qu'elle n'est pas très rapide de base. Il faut l'augmenter, sinon bah, on aura des crafts automatiques, ce sera cool, mais ce sera assez long, il faudra attendre un petit peu. On va en mettre 4, on verra si c'est suffisant ou si ça change pas grand chose. Ça, je sais pas trop parce que d'habitude je n'en mets pas, mais je me plains que c'est lent. Par contre, ces trucs-là donc coûtent assez cher. Ça coûte des Advanced Processors, donc qui sont faits à partir de diamants. Mais je les ai déjà plus ou moins tous faits. Donc, si je regarde ici les processeurs, je n'ai fait plein en basique et normalement, ce qu'il faut, j'ai fait les 12 qui va nous falloir pour. Les Advanced Processors. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est crafter. Donc, les CD crafting. Je vais peut-être marquer juste CPU. Voilà. Alors, si je regarde les crafting CPU, donc ça, on a dit qu'on en mettait que 4. Que 4, mais c'est déjà bien, ça coûte suffisamment cher. Je me demandais pourquoi j'avais encore des blocs sur moi, mais ce sera pour reboucher. Et donc, le reste, on va mettre des pattern providers. Ça, c'est un petit peu plus dur à crafter, par contre. Pattern. Provider. Donc il va nous falloir des conversion matrix et des storage cells. Donc il nous en faut 8, 8 storage cells. Ok, on est parti. Donc il nous faut 8 storage cells. Ça c'est bon. Et ça il va nous en falloir 16. Donc j'en aurai pas assez, ouais, m'en doutais. Je vais en refaire plein. Ouh là là, plein, 10. Donc il nous faut 16 storage cells. Ça va être juste. Ah. Il me faut du quartz. Que je vais aller macérer.
Faut vraiment que je mette des upgrades sur le macérateur parce que ça va pas vite de base. Même avec des upgrades d'ailleurs ça va toujours pas vite. C'est l'un des trucs des machines d'Industrial Craft qui va vraiment pas vite. Je pense que d'ici un épisode ou deux, je vais enfin, entre les épisodes bien sûr, je vais essayer de faire beaucoup d'upgrades pour toutes les machines pour que nos machines utilitaires ici soient très puissantes, enfin très rapides surtout. Consommeront plus d'électricité par contre. Faudra gérer ça. Mais bon, on verra bien. Donc on disait on veut refaire ces machins-là. Combien il va nous en falloir? Ça c'est une bonne question. On va voir si avec ça ça suffit. Donc ça on avait dit qu'il nous en fallait 16. 15 et 16. Ah bah c'est bon. Et du coup on veut des pattern providers. Pattern provider. Lock. Ah mince. Donc là il nous en faut 8. Voilà. Pattern provider. On en a 8. Ok. C'est assez cher, mais c'est bon. Ça va vraiment valoir le coup. Donc, ben voilà, ça rajoute une page, donc c'est ouais, c'est l'équivalent d'un double coffre. Donc on va mettre toutes les pages ici, tous les pattern providers. On referme la structure et normalement, si je me suis pas trompé, tada, je me suis pas trompé. On voit qu'elle a changé. On va tout de suite voir la consommation en EU, pardon. On est passé de 34, je crois, 34-36 à 40-42. Donc, bon, il compte bien qu'il a les crafting CPU, les pattern providers. Donc, tout est bien intégré dans le système. On consomme donc beaucoup plus d'énergie qu'avant, mais c'est pas grave parce que ça vaut le coup. Alors, comme je vous l'avais dit, on a une page par pattern provider qu'on a mis. On en a mis 8, donc on a 8 pages. Et maintenant, on va pouvoir faire des crafts. Alors comment on va faire pour faire des crafts automatiques? Il va nous falloir une autre machine qui s'appelle le Pattern Encoder. Donc on va le faire vite fait. Encoder. Donc il me faut cette bestiole. Cette bestiole. Et voilà, un Pattern Encoder. Et du coup, si je regarde bien, ça doit s'appeler des patterns. Des blank patterns, c'est ça. On va en faire... Mais vous savez quoi, on va en faire un seul. Et on va automatiser le craft des blank patterns. Parce que les blank patterns, à quoi ça sert? Je vais mettre ça ici. À quoi servent les blank patterns? Bah, tout simplement, ça sert à définir des crafts. Et donc on les met ici. Non, je me trompe. On les met ici, pardon. Ici, on donne le craft. Donc par exemple, si je voudrais donner le craft des escaliers, comme ça par exemple. Et après, j'ai plus qu'à appuyer sur encoder. Mais bon, je ne veux pas le faire puisque les crafts des escaliers encore, ben, je m'en fous. Moi je veux donner le craft de ceci, et ce qu'il y a de bien c'est que le shift clic gauche marche là-dedans, donc on n'est même pas obligé d'avoir les ressources sur soi. Donc je lui dis qu'est-ce qu'il faut pour avoir un blank pattern, pardon, je vais y arriver. J'encode, je clique sur le bouton encoder, après je peux effacer. Et donc je récupère un pattern qui n'est plus un blank pattern, c'est un encoded pattern, et qui dit comment crafter un blank pattern. Donc on va tout de suite mettre ça dans notre... alors ça s'appelle un Molecular Assembler Chamber. Voilà. J'avais jamais fait gaffe à comment ça s'appelait. Et du coup, si je regarde là-dedans, on avait une section ici qui parlait ici de ce qu'on pouvait voir. Donc stored et craftable. Donc on va regarder seulement les craftables et on voit qu'on peut crafter des blank patterns. Donc moi je mets tout, je veux toujours tout afficher. Et si je regarde l'anse, mais tout en bas, on peut. Donc les blank patterns, j'en ai aucun. Vous vous souvenez, il y a un instant, j'en ai crafté qu'un seul. Donc il me propose bien d'en crafter, donc même dans la recherche, hein, je les vois ici, donc j'en ai pas. Donc je vais lui demander qu'il m'en fasse 10, pourquoi pas, parce que je sais que je vais en avoir besoin. Puis boum, alors voilà, les processeurs vont... Les crafting CPU, voilà, permettent de gagner quand même pas mal de temps, je trouve. Donc on va les mettre là, les blank patterns, on encodera différentes choses petit à petit. La première chose que en général j'automatise grâce à ça, c'est tous les crafts d'applis d'énergistique, donc les Emicable et tout ce qui s'ensuit. On fera ça peut-être ensemble plus tard, ou peut-être même dans un instant, je sais pas encore, on va bien voir. Mais alors il fait pas un peu sombre ici? Ah si. Ah. Nickel. Ouais, donc on va voir qu'est-ce qu'on va automatiser d'autre. Mais pas tout de suite, ouais, sûrement pas tout de suite. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Je vais peut-être arrêter ça. Il y a autre chose aussi que je voulais voir. Je reviens.
Re, désolé, petite coupure. Alors, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grand. Je crois que j'avais fini ce que j'avais fini ma phrase, il me semble. Oui, ce que j'ai fait vite fait hors caméra, c'est j'ai automatisé, enfin j'ai décrit les crafts de mon Lord n'a peu d'importance. Hein. J'ai décrit les crafts de la Flux Dust et des Amicable. On va voir quelque chose. C'est pour faire des Amicable, donc il sait faire des Amicable. Non, si je regarde maintenant, Amicable, si je les retire tous, il sait m'en crafter. Donc je pourrais lui en demander. Mais pour ça, il va lui falloir du Flux Dust qui sait crafter. Le problème, c'est que pour le crafter, je vais y arriver. Il va lui falloir de la Quartz Dust. Et je vais la retirer pour voir. Et du coup, comment. Enfin, et du coup, il pourra pas le crafter parce qu'il sait pas comment on fait de la Quartz Dust. Et on n'en a pas dans le système. Alors, comment il va faire dans ces cas-là? Bah, il va rien faire, il va attendre qu'on en mette. Et comment on va le savoir qu'il est en attente? Bah, tout simplement grâce à un autre truc qui s'appelle le Crafting Monitor, si je ne dis pas de bêtises, et c'est non, c'est exactement ça. Donc, grâce à ce petit outil-là, le Crafting Monitor. Crafting Monitor. Hop, petit câble. Et on va le placer là-haut. Donc pareil, par exemple, le connecter à un câble puisqu'il est connecté à un. Enfin, les blocs font office de câble. Et si on regarde, on peut voir ce qui est en train d'être crafté. Donc là, par exemple, je lui ai demandé du câble, du Amicable. Donc je lui en demandais un. Et on va regarder dans le crafting terminal. Donc il me dit ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un Amicable. Pour ça, il est en train de crafter le Flux Dust. Et pour en faire, il a besoin de Nether Quartz. Par contre, il n'en a pas. Et il sait pas comment crafter, donc il me le dit, missing component, materials, pardon, du Nether Quartz, enfin, du Nether Quartz Dust. Donc si je lui en donne, il va réussir à se démerder, et comme on a mis des crafting CPU, ça va plutôt vite. Et du coup, si je regarde mes Amicable, ah oui, mais forcément, bon, je vais les retirer, je vais lui demander d'en crafter. Boum, on voit, par contre, il est craft 3, il en a crafté 3, pourquoi? Parce que ça se craft 3 par 3, on peut pas les crafter un par un, donc on a forcément fait un peu plus que nécessaire. Donc ça pose un problème, c'est savoir comment on va faire pour lui dire qu'il faut que par exemple pour la quartz dust qu'on ne récolte pas comme ça, nous on récupère que du quartz. Ben on va falloir lui dire que en prenant du nether quartz, il obtiendra une quartz dust dans un macérator. Mais comment on fait ça? Ben, tout simplement on va utiliser la EMI interface. Interface. Alors je vais la crafter rapido. Ah. Voilà. Voilà. Alors, elle est utilisée dans d'autres crafts, hein, dans les crafts des import et export bus. Mais c'est aussi utilisable comme un bloc. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est un macérateur, parce que c'est dans un macérateur qu'on va faire tout ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, j'ai ce qu'il faut, c'est cool. J'ai ce qu'il faut. Non, je sais pas ce qu'il faut là. Non, je fais n'importe quoi. Bon. Copper. Ça fera aussi partie des choses qu'on pourra automatiser plus tard. C'est utiliser par exemple le mettre du. Enfin, on le verra ensemble. On automatisera tout ça aussi. Pour l'instant, je peux pas. Cette machine-là ne va pas vite. Macérator. Donc, il me fallait ceci. Ah mince, il m'en manquait un. Zut. Macérator, on reprend. Voilà, j'ai un macérateur. Je vais déjà le placer, on verra après comment ça marche. Donc on va le placer là sur la ligne de voltage normal. Et on va poser la EMI interface comme ça. Alors, en faisant un clic droit dessus, on va pouvoir faire plusieurs choses et tout. Ça a plusieurs fonctionnalités, mais la première fonctionnalité, c'est. Donc les patterns, on peut aussi les encoder à la main en forçant, en disant que. T'inquiète pas, si tu prends ça, tu obtiendras ça. Donc on va l'encoder. Il nous fera confiance. Et on va mettre ce pattern là-dedans.
Et du coup, il va injecter. Donc, par défaut, il injecte dans l'inventaire le disponible. Donc, en l'occurrence, ce sera l'inventaire en dessous, puisqu'il n'y en a pas ailleurs. Mais en faisant un clic droit avec une wrench, on peut spécifier l'inventaire. Donc, par sécurité, moi, je le spécifie toujours. Je me prends pas la tête. Voilà, donc, par sécurité, il l'enverra en bas. Par contre, il va falloir pouvoir récupérer les items. Et pour ça, il va nous falloir un basic import bus, tout simplement. Je regarde import bus. Je veux un basic. Il va falloir que je recrafte tout ça. Donc pareil, tout ça va être automatisé dans quelques temps. Non, c'était pas du robot, c'était des sticky reasons. J'en avais fait exprès d'en garder quelques-uns. Donc on aura un import bus, basic import bus, ça suffit largement. Et il faut un Emmy cable ici. Et donc on importe ici comme on a fait sur les autres installations. Puis on reconnecte ici. Donc pareil ici, c'est connecté au système puisque ça fait office de câble. Et du coup il pourra importer dans le système ce qui est crafté ici. Et du coup, si je lui dis, déjà je lui dis que j'ai faim. Hop. Si je lui dis que je voudrais bien avoir du quartz dust qu'il s'est crafté, je vais lui en demander 10. Vous allez voir qu'il est en train de le faire, il est pas perdu, il sait le faire. Et si on va voir là-dedans, poum, on a 10 nether quartz qui ont été mis là-dedans, dans le macérator donc, grâce à la Emmy Interface. Et quand ce sera terminé, un jour ou l'autre. On va y arriver. Voilà. Une fois que c'est terminé, c'est été importé grâce à l'import bus. Et ça a été. Et si on regarde ici le crafting monitor, il en reste 9 à faire. Donc on va le laisser faire son petit travail. Et on va jeter un œil rapidement à ce crafting mode. Donc là ici, il y a plusieurs modes. Donc on va regarder d'abord ce premier icône, ce premier bouton, et celui-là on verra plus tard. Craft item, quand il a besoin d'en faire. Donc moi c'est pas ce que je enfin c'est ce que je veux. Et il y a aussi une autre chose, c'est only voilà, il le fait enfin si je fais ça, c'est seulement si je veux exporter des items, là il craftera, sinon il le fera pas. Et là je peux normalement je peux dire alors attendez. Bah alors écoutez, je crois qu'il y a un truc qui a changé parce qu'il y avait un moyen de faire de lui dire en fait tout le temps en faire en fait. De tout le temps dire tant que tu peux le faire. J'ai l'impression qu'il veut plus. Je fais non, c'est pas ça. Non. Non plus. Ah, je me souviens plus quand ça marche. Bon, écoutez, à la limite, je reverrai ça plus tard, c'est pas gênant, parce que je me souviens plus comment ça marche. Sinon, on a encore un petit peu de temps pour faire un upgrade ici. C'est qu'ici, on avait pris des basic import bus. Non, bah non, du coup, faudra que. Parce que je voulais utiliser la Emmy Interface, justement. Mais il faudra que je revoie quelque chose, parce que je sais plus comment ça marche. Donc, je vais juste vous expliquer ce que je comptais faire, mais je sais plus si on peut pas le faire. Enfin, je sais pas si on peut plus le faire ou si ça a changé. Mais en gros, je voulais dire ici mettre une Emmy Interface et dire que si tu mets 9 Tiny Dust, par exemple d'Iron, tu obtiens une Dust d'Iron. Et je voulais le mettre en mode crafter, toujours le faire. Mais si je fais ça avec des export bus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire export bus, exportant que quand on a 9. Tandis qu'avec la Emmy Interface, on peut. On lui dit, il en faut 9 pour avoir, enfin 9 de Tiny Dust pour avoir une Dust. Tandis que là,
Enfin, avec l'IME interface, on peut, mais je sais plus comment on fait pour lui dire de toujours le faire, dès qu'elle a de quoi faire, mais je sais plus. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, mais moi je me souviens plus. Mais sinon, en quoi ça aurait servi? C'est ici, on aurait mis une IME interface avec tous les patterns pour toutes les différentes dust. Puis du coup, on aurait besoin qu'un seul packager, j'aurais pu virer les autres, récupérer les export et import bus et gagner un petit peu de place. Donc c'est une upgrade que je voulais faire, mais là pour le coup, je comprends plus comment ça marche. J'ai un gros bug. Bon, on en est à 26 minutes environ, à peu près, puisque j'ai pas bien géré le chrono. Je pense que pour cet épisode, on va arrêter là. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Je sais pas encore. Je sais pas si est-ce que vous êtes chaud pour les abeilles? Parce que je sais très bien que les abeilles, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, est-ce que je repars un petit coup sur les abeilles? Est-ce que j'attends un peu? Parce que j'aimerais bien commencer à faire 2-3 choses intéressantes quand même avec. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire ici? Oui, il y a d'autres choses que je voudrais bien faire aussi, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et il y a aussi d'autres choses avec appelé d'énergistique qui devraient être faites, mais est-ce que j'aurai le temps? Bon, enfin bref, je vais cogiter, on verra ce qu'on fait la fois prochaine. Inutile malheureusement de me dire ce que vous voulez voir pour la prochaine fois. Enfin, vous pouvez toujours me le dire, bien sûr, mais ce ne sera pas pris en compte tout de suite puisque je tourne plusieurs épisodes en avance. Mais si vous voulez voir quelque chose en particulier ou ne pas voir trop d'appelés d'énergistique, trop d'abeilles, trop d'autres choses, enfin, vous me dites un peu ce que vous voulez voir. Et moi, j'essaierai d'aviser en fonction de ça et en fonction de ce qu'on a à faire dans la base. C'est comme d'habitude, hein, de toute façon. Enfin bref, voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine et salut à tous!